Marie-Anne Saint-Jules s'installa à Sault-Sainte-Marie avec ses parents en 1902. Sa bru, Hermance Saint-Jules, arriva elle-même dans les années 50, moment où la ville était en pleine croissance. Aujourd'hui, le courant migrateur est dans le sens contraire et le seau se vide plutôt que de se remplir. Ceux qui sont restés se sont fait une place, la leur, et rien au monde ne pourrait les amener à l'abandonner. À Sault-Sainte-Marie, cette persévérance prend racine dans la solidarité, l'identité et l'appartenance. Quand j'ai marié Léo, puis je suis arrivée à Sault-Sainte-Marie, ma belle-mère est devenue ma deuxième maman parce que pour moi, c'était... elle a vraiment pris la place d'une mère. Puis moi, je ne parlais pas anglais à ce moment-là. Je venais du Québec, puis je pouvais le lire seulement, mais je ne le parlais pas. Alors, j'étais un peu perdue, mais toute la famille, là, moi, je parle pas seulement toutes les filles, là. J'ai été bien reçue, parce que tu sais qu'ils me disent que je suis leur belle-sœur préférée, c'est la seule qu'ils ont. Le Nord est menacé à cause des nombres. C'est pas compliqué. Il y a une évolution. Il y a un mouvement du Nord vers le Sud, vers l'Est de la province. La population diminue. C'est un fait. Toutes les écoles sont menacées, que ce soit les écoles anglaises ou françaises sont menacées. On avait 4 écoles élémentaires, 1 école secondaire. Là, on est rendu à vraiment 2 écoles françaises et, élémentaires et 1 secondaire. Je crois que les écoles que nous avons maintenant sont très stables. Les nombres se sont stabilisés aussi. C'est dommage qu'il y ait tellement de gens, de jeunes gens qui quittent le Nord parce qu'il n'y a pas de travail en Nord. C'est vraiment dommage de ce côté-là. Parce que c'est tellement un endroit plaisant pour élever ta famille. Moi, je peux y vivre d'une façon pas mal intéressante. La grosseur. Ça, c'est un chêne. C'est un chêne, ça? Oui. Oh, c'est un gros chêne, un énorme chêne. Ouais. Hein? Juste en face de ça. Il ça se branche là parce qu'il faut faire le tour du gros arbre. Ouais. Ah, Marie-Gouin, va-t'en? On est juste tout en bas chez nous. Moi, je suis à Sainte-Marie. Bruno, qui est le milieu, il était à Winnipeg, il est militaire. Henri, qui est le plus jeune, qui était à Sherbrooke. Quand j'étais jeune, mes parents avaient 2 heures de terrain, 1 heure de terrain. Mais le voisin, bon, on embarquait sur sa terre, puis on a eu du fun. Puis on avait tout un réseau de trail, de skidoo, puis de chasse, puis on avait une place pour faire des feux. Puis tous les jeunes du village venaient nous voir, c'était assis le bord du champ du voisin. Tenaient le bois de même, puis on avait toujours du bois de fête. Le soir, mes parents, au moins de 5 heures, on était en train de faire un feu, la gang. Bon. On continue. Quand j'ai tombé sur ce terrain-là, ben, c'est gay. Good fun. Il n'y a pas de fax, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de courrier électronique. Tu n'as pas de pression. Tu fais un vide. Bon, tu vois, déjà rendu en l'air. Tu regardes le sel qui est déraciné par le vent, là, à ta gauche. Tu regardes la vallée.
T'sais, on est deux enseignants, t'es impliqué dans la communauté. À un moment donné, ça vient lourd. T'as besoin de prendre quelques heures, quelques temps là, pour juste t'éloigner de ça puis revenir à la base de qui on est, là, finalement. Le gros attrait du Nord, pour moi, c'est que l'espace est grand ouvert, beaucoup, beaucoup de propriétés à un prix raisonnable. C'est un endroit exceptionnel au point de vue de la villégiature. Simplement, le grand espace. C'est notre bébé. Just a minute. Just a minute, Summer. Wow! Il veut sortir. Puis c'est tout de suite. On va le laisser sortir, je pense. Le poste de direction d'école, surtout dans le temps de tous les changements en éducation, Harris venait de changer tout, du haut en bas en éducation, puis ça a causé énormément de travail, énormément de stress, surtout pour la direction de l'école. Et puis, je savais qu'au point de vue santé, j'avais besoin de changement. Alors, c'était vraiment être à la recherche d'un changement au niveau du style de vie. Être directeur, tu as tout le temps une vision pour ton école. Mais nous autres, on a acheté sa propriété avec une vision en tête. Cette vision, c'est d'avoir un endroit sans stress, un endroit où tu te sens confortable, tu te sens bien, tu te sens vraiment chaud à l'intérieur, mais c'est ça que c'est ici. Mon but cette année, maintenant que je connais un petit peu plus de la ferme et comment élever des animaux, cette année, je veux concentrer sur le processus de la fibre des alpagas. Et puis, peut-être, possiblement, monter un moulin à un moment donné et aussi développer le côté des artisanats. Il y a beaucoup d'artisanats dans le coin. Essayer de garder le monde dans le Nord, en fin de compte. C'est ça qui est l'idée en arrière de ça. On a besoin de toutes les ressources possibles pour développer l'économie du Nord. Il y a trop de jeunes qui s'en vont vers le Sud. Tu n'as pas de quartier francophone ou ça. Les gens sont dispersés à la grandeur de la ville. Alors là où on se réunit, c'est soit à l'école ou dans la paroisse. À part ça, il y a très peu d'activités ou de choses qui peuvent vraiment regrouper le monde francophone. Je ne sais pas si c'est partout pareil, là, mais je sais qu'au Sceau, les gens, au Sceau, quand ça vient à un moment donné où c'est une crise de quelque sorte, tout le monde se serre les coudes, on se met ensemble, on travaille tous ensemble. Puis c'est vraiment remarquable de ce côté-là, que ce trait-là du Sceau. On se voisine pas tout le temps. On n'a pas énormément de regroupement des activités sociales à ce moment-ci. Mais par contre, c'est comme un petit village, les gens se connaissent, puis quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, les autres sont là. Malgré le fait qu'il y a peut-être certains conflits avec certains, ou c'est que tu t'entends moins bien avec d'autres, quand c'est le temps, ça, c'est tout mis de côté, puis tout le monde se rallie autour de une cause. Je me sentais bien seule quand j'ai déménagé ici, venant de Hearst. C'était pas évident. Je me sentais totalement sur une autre planète quand je suis arrivée en 92. Je parlais anglais, mais j'avais un accent vraiment prononcé. Et puis, quand je suis déménagée ici, disons, je savais comment française que j'étais.
Maintenant, j'ai perdu la plupart de mon accent. Tu viens que t'as pas le choix, là. Tu vis dans une communauté anglophone, alors t'as pas le choix de le pratiquer, t'as pas le choix de le parler, si tu veux. Mais tu voyais, là, que j'étais pas une des bienvenues, là. Le monde, il pouvait reconnaître mon accent, il savait tout de suite que j'étais pas de la ville. Mais j'ai toujours fait savoir au monde que je suis française. Et puis, si tu l'as vraiment à cœur de vivre ton français, il n'y a pas aucune communauté qui peut t'enlever tes racines, si tu veux. Parce que je suis forte de caractère, déterminée et que je me décourage pas vite, puis j'ai pas la langue dans ma poche, en autre mot, ça m'a avantagé à m'incorporer dans la communauté sans avoir de problème, si tu veux. Puis c'est là que j'ai commencé à être impliquée dans l'ACFO. Ils ont dit, hey, ça nous prend quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a pas peur de foncer puis de parler. Alors, c'est là vraiment là, que j'ai senti là, que c'était important là, de faire de quoi. Et puis, avec l'ACFO, c'est ça, j'ai été capable de vraiment remplir le vide que j'avais de ne plus rester à Hearst. Alors, ça m'a apporté, pas juste pour mes enfants beaucoup, mais pour moi personnellement, comme de ne pas manquer mes racines autant. J'enseigne le français corps d'une école publique anglaise, puis les vrais francophones qui enseignent dans ce domaine-là sont rares. Là. Moi, j'arrive, je suis francophone, puis je sais que ma directrice parle français, je vais parler français. C'est une valeur qu'il y a d'autres personnes autour de moi. Moi, je veux y adresser, je vais y adresser dans ma langue. C'est le français que j'enseigne, puis mon français, moi, il est vivant. Tu parles français, je te parle français, that's it. Tu parles anglais, je te parle anglais, c'est tout. Puis si tu veux comprendre ce que je t'ai dit, pas problème, je vais te le répéter en anglais. Moi, Christine, puis plein d'autres mondes, ça a été la façon de survivre, puis d'imposer, pas d'imposer, mais de nous faire respecter. C'est pas arriver des grands pancartes, puis yé, je suis francophone, puis respectez-moi. C'est juste que, hey, on est là, OK. Puis on est là, puis on vit, puis t'as beau avoir t'as beau sourcier, t'as beau monter une face froide, puis de pas aimer ça. Who cares? M'en fiche. OK, on a du fun. OK. On s'assoit, on va sortir mon livre de chant, on va chanter, puis quand on va parler avec mes mains, il va parler fort, puis il va rire fort, puis. On chante tout. On joue toute la musique. Moi, j'ai commencé à jouer la musique à cause de mon oncle Roy, qui joue la guitare depuis qu'avant que je suis né. Alors, aussitôt que j'ai pu, j'ai appris de la guitare, puis il n'y a rien que j'aime plus que jouer avec mon oncle. C'est nous autres, c'est notre passé, puis c'est le futur de nos enfants aussi. Ouais. Alors, c'est important pour nous autres. Oui, c'est beau d'être capable de continuer ça, la tradition aussi, puis être capable de passer ça à nos enfants aussi. Ben oui, puis surtout à Sault-Sainte-Marie, parce qu'on n'a pas beaucoup de francophones ici. Alors, c'est important, nous autres même, qu'on continue la tradition. C'est parce que si on le fait pas, qui va le faire, tu sais? Comme ça, on peut montrer à nos enfants, puis peut-être ça va les... Ça va les aider, eux autres aussi, à leur tour, quand ils sont plus vieux, de la partager avec leurs enfants. Parce que si on ne ferait pas ça, ça mourrait, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est comme un attachement de famille, parce qu'on n'est pas un gros groupe ici au Sault-Sainte-Marie. Alors, on se connaît toutes. Puis c'est comme ça aux écoles aussi. Mes garçons, ils vont aller au Cardinal Léger, puis c'est une petite école, on se connaît tous. Puis aussi, j'étais pour dire que Colette, ça, c'est ma petite sœur, elle a marié un Italien qui ne parlait pas français, mais il a suivi des cours à travers son école. Alors, depuis qu'ils ont eu des enfants, il a appris de Colette, puis il parle seulement le français à ses enfants, qui est vraiment exceptionnel. Il l'a appris, puis il pratique avec ses jeunes, puis c'est vraiment beau à voir les enfants lui parler en français, puis il est capable de répondre. Puis ça montre comment c'est important pour lui aussi
de, tu sais, de montrer à ces jeunes que c'est important, les langues. Alors, je trouvais que c'était pas mal courageux de sa part d'apprendre la langue pour eux autres, puis pour Colette. Les enfants trouvent ça très agréable de pouvoir parler avec leur grand-père. Il n'y a aucune connaissance de l'anglais. Alors, à leurs yeux, c'est aussi l'importance du français, d'être capable de communiquer avec le grand-parent. Et puis, toute la parenté est française, si tu veux. Le trois quarts sont bilingues, mais n'empêche que grand-papa est important et il ne parle pas anglais. Ma grand-mère, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes. Et j'aime ses biscuits, ils sont appelés les galettes. Et ça, c'est le chandail que mon grand-père m'a acheté. Je l'aime beaucoup. On se dirigeait vers une retraite. On commençait à planifier un nouveau stage-là dans notre vie. D'un coup, à la fin du mois de septembre, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller voir le médecin. J'avais quelque chose au sein, puis c'était pas tout à fait normal. Donc, je me suis rendue chez le médecin. Dans 2 jours, j'ai eu un mammogramme. Lorsqu'ils ont fait le mammogramme, le spécialiste est venu me voir sur le fait même. Puis il m'a dit, on a besoin de faire un ultrason puis une biopsie tout de suite. Je savais à ce moment-là là, que j'avais un problème. Les résultats disaient que j'avais un cancer au sein, mais c'était pas un cancer ordinaire, c'était un cancer très agressif. Mais cette semaine-là, notre agent d'immeuble a appelé pour dire que quelqu'un avait mis une offre sur la ferme. Alors, il fallait qu'on s'engage à acheter la ferme, même si notre maison n'était pas vendue. Et puis là, on se posait vraiment la question, est-ce qu'on veut s'embarquer dans une nouvelle aventure lorsque moi, je suis déclarée malade comme ça? Puis j'ai dit à Robert, j'ai dit, quand on est en train de se débattre pour notre vie, c'est pas le temps de laisser aller nos rêves. C'était ma crise personnelle à moi. On avait vu trop de choses se passer dans la communauté. On avait vécu trop de crises au sein de la communauté. Puis je prenais tout ça à cœur. Bien, c'est les nombreuses heures que tu mettais aussi au travail. Parce qu'on était à un âge où les enfants étaient partis de la maison. On était tous les deux des directions. Donc, on est tombé dans le cercle vicieux de mettre du temps au travail, puis de mettre plus de temps au travail. Et puis, quand elle allait au travail, j'allais au travail avec moi aussi parce que j'avais mon école à diriger. On arrêtait, on allait prendre un café en soirée, on continuait au travail. Mais le produit final dans tout ça, c'est que tu travailles tout le temps. Oui. On n'avait plus d'équilibre. En réfléchissant à ceci par après, là, c'est vraiment surprenant. Pendant cette année de maladie puis d'épreuves, on était heureux. Ah oui? On était heureux. Oui. Puis ça me surprend encore, tu sais. Puis on ne laissait pas le cancer nous empêcher d'aller au restaurant. On ne laissait pas le cancer nous empêcher de sortir. On organisait nos temps parce que quand, après un traitement, Denise, pendant 4-5 jours, était au lit. Mais après ça, on faisait des choses. On ne restait pas dans la maison, la porte fermée. Puis c'est une maison malade ici. T'sais. C'est pas du tout le cas. Ça m'a permis à faire la transition à une vie différente. Puis c'est cette nouvelle vie qui me permet de garder un équilibre dans ma vie. On ne sait jamais où la vie va nous amener. Hein?